Bonjour à tous et à toutes, salut, c'est aujourd'hui nous retrouvons pour le début de l'épisode 2 de Ace Attorney Trials and Tribulation. Alors cependant, admirons quand même ce superbe background, enfin cette superbe image de avec alors attention, avec en premier plan Mia découpée en deux au niveau de la taille, mais faites un effort, ouvrez vos chakras et vous verrez que sur une DS c'est beaucoup mieux. Et en second plan, la rencontre entre Wright et machin. En bas, la connasse qui voulait les empoisonner tous les deux. Et à sa, alors à sa gauche, mais à ma droite, le tribunal, son retour pour le tribunal. Et donc aujourd'hui, la volte-face voilée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être comme dans le premier Satan. On va retrouver Madame Plantule, je crois que c'est ça, dans cette affaire. Espérons que j'ai tort. Alors si j'ai juste un truc à dire pour ce début d'épisode 2, c'est qu'ils ont vraiment fait un énorme effort sur la qualité d'animation de comment on pourrait dire de l'introduction des épisodes. Franchement, c'était fluide, c'était vachement beau. Rien que pour ça, ils remontent dans mon estime. Le jeu remonte dans mon estime, mais son pressing pursuit est dégueulasse. Donc normalement, on devrait, je dis bien, on devrait être revenu dans le présent, donc en 2000, je sais pas combien. Alors Maya qu'on retrouve évidemment. Voilà, ça y est, ça commence. Alors attendez, j'en fais juste que j'ai mon dossier, mon badge et le Megatana. Ah oh ouais, je vais faire des duels! Ça va être trop bien! Ah bah, ah, Perly, personnage qui nous a été utile du début à la fin, qui est dans le précédent volet, donc le Justice for All. Grâce à qui on a ce Megatana qui va nous faire des duels à psychèques, et j'aime ça. D'ailleurs, attendez. Techniquement, on est combien d'années après la dernière affaire? Ça c'est la grande question que je me pose en fait là. Ouais, elle a pas changé d'un pouce. C'est ça le problème. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Une photo. Oh oui. Non, une affiche. Qu'est-ce que c'est? Oh, bordel de... Attends, comment? Quoi? Hein? Non, non, les mecs, s'il vous plaît. Alors, pour info. Ce que vous voyez là, pour ceux qui n'ont pas joué à l'épisode 2, déjà, je vous demanderai de
de le faire, l'épisode 2 de Justice for All, car ceci est une preuve. Une preuve de la culpabilité, entre guillemets, du vrai coupable. Seulement, normalement, c'est une pièce à conviction. Et la question étant, comment une pièce à conviction qui est effectivement gardée par la police, et, premièrement, et ensuite est stockée dans l'archive du tribunal, peut se retrouver dans une exposition? Il se passe quoi ce soir? Joie, bonheur. Habillé pour l'occasion, tu as changé de magatana, c'est ça? Moi je suis à moins que t'as plus serré ton truc qui te sert d'écharpe. Voilà, alors la petite introduction avec une musique calme, saine, ASMR. Cette jeune demoiselle là, c'est Maya Faye. La petite sœur d'Amir, mon ami et mentor. On s'est rencontrés pour la première fois, il y a 2 ans. Je travaillais sur les circonstances de la mort d'Amir. Et depuis... Est-ce que tu viens de blesser mon ami? Alors pour ça, je vous ai bien sûr recommandé, pour comprendre notre rencontre, de jouer au premier volet, à l'épisode 2 toujours, parce qu'en épisode 2 on fait des trucs énormes. En fait, cette couverture dessine sa véritable identité. En réalité, elle est médium. Elle communique avec les esprits. Elle est un peu louche. On va pas se le cacher, t'es louche, hein, ça se lit sur toi. Et cette fillette, hein, c'est Perle Faye. Mais en général, on l'appelle Perls. C'est la cousine de Maya. Une médiamonaire, elle aussi. C'est au village Curin qu'est née la célèbre technique de channeling Curin. Maya n'est autre que la fille de la maîtresse de l'école de channeling Curin. C'est super chiant à dire. Ça peut paraître absurde, mais ce n'est pas une blague. J'ai vu ses pouvoirs de mes propres yeux. Ils sont bien réels. J'ai vu son esprit. Oui, non, c'est bon. Je vais faire un monologue. Oui, allez-y. Pas le choix. Oui, j'ai une affiche incroyable. C'est ma première preuve. Ah oui, alors j'avais oublié quelque chose d'extrêmement drôle, mais que vous devez sans doute connaître si vous suivez l'actualité des Aïssé, c'est que toute l'action se passe en France pour nous, mais normalement ça doit se passer au Japon. Donc en France, on a un village qui s'appelle Curin. Je vous laisse là-dessus pour vous expliquer la connerie des traducteurs français qui ont voulu aussi faire la localisation du jeu. C'est débile. Les Galeries de France. Alors, je demande à quelqu'un de me trouver si les Galeries de France, ça existe en vrai. Parce que je veux absolument y aller. Je veux savoir où ça se trouve. C'est beau, c'est plein de couleurs même. Du sous-sol. Allons-y.
Alors c'est vachement beau, mais j'aimerais. Ah oui, je me souviens de ce paravent. Oh là là. Oui, moi aussi. Oui. Six volets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 6 volets. Peut-être qu'il y a une récompense pour celui qui les découvre, ce que ça veut dire. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique. Il y a rien. C'est peut-être de l'art. Je suis sûr que ça doit être de l'art. Pour ton pot. C'est ça. Oui, je vous crois. Je vous crois. Un clin d'œil. Bon. Il y a une réplique. Il y a un truc là-bas. Ah ouais, putain, c'est puissant quand même. Bon, bah, c'est une belle exposition, c'est beau. Et on va se diriger dans le sous-sol. Dans l'entrepôt du sous-sol. C'est vide. Voilà, j'en serais douté. Oh, c'est toi. Comment tu t'appelles déjà? Comment elle s'appelle? Andrea Lanvy. Oui, c'est Andrea quelque chose. Ah oui, c'est vrai, toi t'étais pas là. Landry, Andrea Lanvy. Donc là, c'est si je dis pas de bêtises, l'épisode 4 du second volet, qui est un très bon épisode aussi. Et d'ailleurs là tu es habillé en noir alors que la dernière fois tu étais habillé en bleu si je dis pas de bêtises. Ah lol, la sécurité. Ah ouais, il y a beaucoup d'objets mais ma grande. Bon bah on va discuter. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps Qu'est-ce que ça fait d'avoir un nouveau job alors que ton ancien travail d'agent a fait en sorte que l'acteur que tu devais protéger s'est révélé en fait être un putain de coupable bipolaire. Pourquoi ? Calme-nous. Ouais, disons que tu as... Il y a 7 mois. Donc on est 7 mois dans le futur. Ok. Il y a 7 mois. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, t'étais enfermé. T'as des managers, voilà. C'était ça. Si tu le lis. Bon, et les galeries de France en mon taf. Ok, alors, faut vraiment que je sache si ça existe vraiment les galeries de France. Parce que 200 ans d'existence, on devrait quand même en avoir entendu parler depuis. Depuis un moment. Ouais. Je suis pas sûr, je doute.
Genre quoi comme trésor? Moi, ça m'intéresse. Ah. Bon. Comment c'est les... Non, c'est pas R, c'est... Putain, fou. Ah, c'est comment déjà pour The... Ah, non, c'est Select. Non. Ah, c'est à la souris que ça se fait. Non, les dieux. Alors. Ah bah. Oh bah non. Oh bah dis donc. Peut-être que ce pot de peinture sont des indices. Ou bien alors cette porte. Ou bien alors cette énorme statue en or massif. Ah, ma batterie fait de la merde. Donc je vous demanderai juste 5 petites secondes. Ma batterie fait de la merde. Ce n'est rien. Calmez-vous. Ceci est un collier qui ricoche sur le micro. Ce n'est rien de grave. Calmez-vous. Allez. Ah. Ah, allez. Allez, la petite. Voilà. La petite prise qui est rentrée. Donc, ceci, tu m'expliques. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et vous aviez ça chez vous? Mais bordel, qu'est-ce que ça fout là? C'est pas censé être un trésor mystique, familial et autre chose, ésotérique. Prêté. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, donc c'est pas une vraie, j'espère. J'espère pour vous que c'est pas une vraie. Qu'est-ce que c'est? C'est un trident. Enfin, c'est trois fois un trident. Ouais, d'abord. Hein? Un manque de culture. Ouh là, l'intention, je vais essayer de prononcer le chine. Attends, le si chi chito, putain. Le si chi chito, curin. Non, le chi chi. Putain, j'arrive pas. Attends. Le si chi chito. J'arriverai pas. C'est pas une vraie lame. J'espère pour vous. Non, il pense même pas. Non, mon Dieu, il est déjà 8 h. Oh oui, allons-y gaiement. Non, là, c'est pas drôle. Allons-y gaiement. Ellipse magnifique. Faudrait peut-être que vous travaillez un petit peu plus vos ellipses. J'espère quand même que ce sera le cas pour Apollo Justice. Qu'est-ce passe-t-il? Mais c'est super important. C'est super important, la propreté. Alors, attention. Ok, la musique est pas mal. Alors, masque de masque. Waouh. Vraiment, les mecs. Galerie de France, ah mon Dieu! Alors là, si j'étais un joueur normal, je dirais la statue. Mais comme j'ai un peu de jugeote, je dirais le pot. Le pot. Pourquoi il a volé le pot? Ça sert à rien! Il aurait quand même pu porter ses coronesses et voler la statue. Là, il aurait eu plus de street cred, tu vois. Vous-même, vous savez. C'est
C'est quoi une arme sacrée? Je suis débile. Oh oui, rien que ça. Oh c'est bon. Oui, sur ton affiche de mec. Non mais deux. Oui, blablabla, j'en ai rien à faire. C'est vrai, bah oui, c'est vrai. Oh. Ouais, alors ça tu demandes à... Ah oui. Ouais, ça tu demandes à Perse. Ouais, clin d'œil, évidemment. Oui. L'an dernier, un meurtre a été commis dans le village Kura. Maya est née. L'urne sacrée. Elle s'était révélée être un indice très important dans cette affaire. L'urne sacrée ajoutée au dossier d'affaires, blablabla. Sauf que là, l'urne sacrée que vous m'avez passée, il est nickel. Donc que faire, on s'en fout. L'incident de l'année dernière, on va lui en parler. Oui, c'est vrai. Tu étais décédé il y a un an. Le meurtre au village Kura. Un homme a été tué pendant l'une des séances de Shamayin de Maya. Et cette urne est la pièce conviction qui nous a permis de prouver son innocence. Maintenant, je ne dirais absolument pas que c'est toi qui as cassé l'urne en jouant dehors avec un ballon et que tu as essayé de tout recoller toi-même. Ah non, 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 ce n'est pas du tout mon genre. Je m'en souviens maintenant. Le mot ami était inscrit sur l'urne. Crac badaboum. Jusqu'à ce que Perse ne la brise en mille morceaux sans le faire exprès. Elle a bien essayé de la recoller, mais disons que ça n'a pas été très concluant. Bref, voilà le résultat de sa petite séance de travaux manuels. Elle a recollé les morceaux dans le désordre. C'est bien Camille est devenue Haïm. Heureusement qu'il n'y avait pas de L, sinon ça aurait été Liam, et là j'aurais pété mon câble. Et peut-être que les gens sont cons. Moi je dis, les gens sont cons. Comme ça, le problème est réglé. Bon, on va se déplacer. Bait. Par contre, mon écran est beaucoup trop éclairé. Ça me fait mal aux yeux. Ah oui, c'est en trace du méchant, mais... Bah, y a rien, les mecs. Le méchant, eh oui. Mais c'est notre ami Tective. Oh, et tu te calmes. Parce que je laisse très de crête dans le métier, moi. Tu devrais me respecter, s'il te plaît. Maya, tu te laisses entre lui et moi. Alors non, non, non. Alors, je veux pas dire de conneries. Mais l'appeler Dick, c'est une très mauvaise idée. Ne l'appelle surtout pas comme ça. Appelez-le Tective, c'est tout. Mais pas Dick. Bon, discutaillons ensemble. Bref, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es là? Ouais. Ouais. Ça aussi, je le savais. Mais comment tu le savais? J'ai une télévision chez moi.
Oh mon dieu. Évidemment, évidemment, il va falloir que j'y aille, hein. Oui. Là, t'es détective. Réfléchissons un peu. Non, quand tu t'appelles Masque de Masque, c'est que t'as pas d'idée en fait pour comme solo. Waouh, sérieux? Un maître dans l'art du déguisement qui vole des choses dans un musée. Je crois savoir qui c'est Arsène Lupin. Bon, alors l'as des détectives, mais qui est donc ce personnage? Vas-y, c'est qui? Dis tout! Balance les mots! Ah ouais? C'est tout? Incroyable! Mais c'est qui? Génial, bah j'irai le voir tout à l'heure. Et sa carte de visite, est-ce que je pourrais la voir, s'il te plaît? Enfin, est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que c'est? Ok. Sa marque de fabrique. Ouais. Les masques bipolaires dans les théâtres avec une face gentille, une face méchante, sectionnée en deux. C'est déjà fait, t'en fais pas. Bon, voyons voir un petit peu le dossier. Alors j'ai une affiche dégueulasse, j'ai une statue en or s'il te plaît, un vase et... Alors, oh, alors, Rochelle la cigarette, je m'adresse au peu dérouver l'objet le plus précieux de la télé. Merci de bien prendre soin de lui en moucheter. Ah, je suis pas sûr, mais presque, que Masque de Masque s'est trompé. Lurne mouchetée, est-ce que ça c'est une lurne mouchetée? Voilà, comme la description le dit, on dira un pot. Bon, bref. Il a fait une connerie, le mec. Il sait pas lire. Oh, bah... Ouch. Alors là, c'est un petit peu plus la merde. Mais c'est genre vraiment la merde, parce qu'il y a des choses qui tombent. Tu es moche. Mais ta coupe de cheveux me dit quelque chose. Mais sinon tu es moche. Ok. Tu te sers d'une loupe comme monocle.
T'es très fort, mec. Limité, j'ai battu Von Karma, j'ai battu Hunter, j'ai battu le descendant Von Karma et j'ai résolu des affaires qui datent d'il y a plus de 15 ans. Donc respecte-moi. Et j'ai le pouvoir de lire les âmes. Tout à fait. Ces petits six sont incroyables. Tu es donc un Time Lord. Mate-moi ça. Alors, je vais poser cette je vais poser ma manette sur ma table, comme ceci. Je vais retirer mon casque et frapper ma tête contre le mur. Ce que je ne ferai pas en vrai parce que ça fait vachement mal. Putain, mais s'il te plaît. Mais merde! Putain, les mecs! Ouais. Bam. Non. Non, pas l'as de médium. Wow. Un jeu? Ouais, si tu veux, mec. On va faire un jeu. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Si, je sais que ton est extrêmement grand. Comment il s'appelle l'ennemi juré d'Arsène Lupin? Je sais plus. Oh, c'était dégueulasse. Oh, les Minotaurs a fait de la merde. Ouais, ça doit être superbe. Mais je m'en contrefous. Ouais, là, je sens que l'émulateur est en train de cracher. C'est dégueulasse ce qui se passe. Alors en fait ça crache que quand ce personnage est affiché. Je crois que ça veut tout dire. Oui. Si tu le dis. Mais t'es con. Non mais franchement c'est quand ce personnage est affiché que ça rame du fion. Moi je crois que ça veut tout dire. Ouais, on devrait rien se cacher avec un œil. C'est bizarre tout ça, hein. T'as installé un piège. Seul. Ah, dis donc. La confiance règne. Méchant. Oh, détective, il est gentil. Mmh.
Ah oui, les mots complexes. Je te crois à moitié. Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Sac à merde. C'est impossible. Bon, laisse-moi examiner la scène de crime parce qu'il y a des choses là qui me niquent l'œil. Comme cette boîte. Quoi? De quoi tu me... Je ne le vois pas actuellement, mais je te fais un gros doigt. En fait, je peux absolument rien toucher. Exactement. Est-ce que tu peux aller te faire foutre? Bon, on va quand même lui présenter les choses, hein, n'est-ce pas? Non, je ne prends pas mon Megatana, ça sert à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maya. Tu m'aides. Tu m'aides beaucoup. Non, pas B. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu crois? Ah bah non, si, c'est super important, mec. Mon bout. Allô. Voilà, non, c'est Y. Ah, tu voudrais le savoir? Oh. Eh bah non, tu le sauras pas. Oui. Alors par contre, c'est con, mais quand la musique s'arrête, ça rame plus du tout. Ouais, je te les rapporterai. Clin d'œil. Ah, casse-toi, tu fais ramer le jeu. Non mais mec, réfléchis deux secondes, là on a une scène de crime qui déborde d'indices délicieux. Non. Donc là on va s'amuser. Qu'est-ce que ce putain de carton fait par terre, bordel de nom? Moi je fais surtout de la peinture rose. Il est complètement misérable, ouais, ton coffre. Bah c'est de la merde. Ok. C'est de la grosse merde. Ton coffre est nul.
je ne le dirai pas. T'es sûr? Je ne l'ai pas entendu, moi. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va dire que c'est bon. Bah ouais, bien sûr. On va vendre cette superbe réplique. Jamais, évidemment. Si, c'est bien. Mémoire photographique. Évidemment. Bah évidemment, il est con pour ça. Et pourquoi tu m'as frappé sans reconnaître? Pas les cheveux, non. Les cheveux de Wright. Merde. Oh. Bon, là il y a rien d'autre. Là il y a une énorme trace de rose. Une énorme trace de rose avec un avec quelque chose qui était sur cette là. Il y a un coin. Ouais, une forme aussi, ça marche. Moi aussi, je me demande. Je me demande surtout pourquoi l'émulateur rame du fion. Bon, il ne reste plus que la statuette et la porte au cas où. Ça y est, ça part dans les gros states. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a bougé aussi. Putain, mais elle est folle. Ah, mais elle pète la forme aujourd'hui, la petite. Ah, je sais pas ce que... Je crois qu'on aurait pas dû donner je crois qu'on aurait pas dû lui donner des chocs à pic. C'est pour ça qu'elle réfléchit trop. Alors, dans ce cas, pourquoi on aurait déplacé cette... Bon, bah la porte maintenant, au cas où. C'est une porte. Bon, les poux de peinture, non. Bon, les mecs qui savent pas écrire, évidemment. Bon, là, je crois qu'on a tout fait. Ça là-bas peut-être au cas où. Allez donc, le piège le plus innovant du monde. Ah, j'ai des données. Ah bon, qui disait ça? Waouh, la chimère s'est déclenchée qu'une seule fois, ça va être énorme. Ah, ça rame du fion. Alors, la chimère s'est déclenchée que vers 1h du matin. Bon. L'extincteur. La porte. Faut se déplacer, je crois que j'ai tout. Ah bah je laisse la sonnerie quand même. J'aime bien cette sonnerie, moi.
Bon, on va arrêter. Moi, j'aimais bien. Waouh. Comment t'as eu mon numéro déjà? Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Waouh. C'est-à-dire? Ce serait trop beau. Et pourtant. Ah bah là non. Non, 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 il y a un problème les mecs. Nous ce sent le duel psychique avant la fin de cette partie d'épisode. Bon, et ben direction le commissariat de police. Il y a mon gars. Combien en Paris que je vais devoir le défendre. Ah, ça m'appelle des souvenirs, ça, défendre des coupables qui sont enfin des potentiels clients qui sont coupables mais dès le début. Par contre le fait que ça rame du fion, ça m'énerve vraiment. C'est putain de moche. C'est super moche. Pourquoi ça existe? Bah ouais, bien sûr. Fais-toi plaisir. Bon. C'était pas là que je devais aller. Je vais pas aller au centre de détention. Non. Bah si, je devais aller au centre de... Ah bah... Fallait que je passe par là avant, c'est ça? Eh, c'est que la merde. Jeu de merde là, avec ces allers-retours de merde. Non. C'est mal foutu. Mais c'est qu'il est heureux, le dick. Tactile. Ah bah c'est bien. Ok, barre-toi. Ah ouais. Je vois pas. Bah non, je vois pas perso en fait. Oui, qui me parle? Ouais. Oh ouais, déjà. T'es super moche, mec. Non, pas mec. Meuf. Non. Bon. Et ben on va discuter avec l'émulateur qui lag. C'est super génial. Ta gueule. Thank you.
il y a une superbe animation avec ses cheveux, mais comme ça ralentit beaucoup trop, c'est moche. Alors, en deux mots, c'est mort. Décis. Bah si, je vais te crier dessus, mec. Déjà, ça explique pas mal de choses. Donc tu as tombé un vase moche. C'est super génial. Non, t'avais compris. Bon, donc, revenons à la question principale qui est des. Bon, bah au moins ça explique encore des choses. Ah! Si tu veux. Alors par contre, avant d'aller t'appeler, je redémarre l'émulateur parce que ça m'emmerde. Wow. Oh, mais tellement long. Bon. Alors, on va se déplacer dans un endroit où il n'y a pas de musique, s'il vous plaît. Parfait, là il n'y a pas de musique. Je redémarre l'émulateur et je reviens. Voilà, j'ai relancé le jeu. Normalement, ça devrait ne plus ramer. Ou moins, je prie. J'espère que le problème est réglé. A priori, ça a l'air d'être bon. J'ai pas encore de musique. Donc je prie. Riton. Tu es qui, madame? Oui, c'est ça. Bon, c'était juste l'ordi qu'il fallait redémarrer, donc c'est une bonne nouvelle, ça ne rame plus. Non, alors à ce propos, alors on va poser les bails tout de suite. C'est mort, je n'aiderai pas ton pote, ok? C'est mort.
je n'aiderai pas ton pote, merde. Oula, oula. Ça veut dire on va te faire foutre l'ordinateur. Ah bah chiffre mal bail donc. Bah voyons. Bah évidemment. Hein. Donc ça se voit que je suis un avocat qui pratique des forces occultes. Ça se voit direct à la coupe de cheveux, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Je sais pas, je m'en fous, mais s'il s'est rendu, c'est qu'il y a une raison. Ah ouais, c'est pas con. Ah, c'est pas con du tout, ça. C'est bien, tu réfléchis. Même moi, j'y avais pas pensé. Ah oui, tu veux que je te fasse frissonner? Ça peut s'enranger, tu sais. Ah merde, on a fait de la moto. C'est moche. C'est mort. La petite salope. Salon. Voilà. Mais ouais, tu m'étonnes. Allez, vas-y, dis-moi tout. Ah, c'était lui. Voilà, attends, oula, attends. Attends, si c'était un agent de sécurité, ça remet en cause pas mal de choses. Ça remet en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est peut-être lui qui était de garde cette nuit. Ah, tu m'étonnes, t'avais pas de permis. Oh là là, oh, pauvre. Bon, bah, y'a plus qu'à leur ce flic, hein. Ah, donc bon, c'était pas lui. Bon, je suis bloqué, donc on va te présenter des indices. Notamment ceci. Si. Ça veut dire que j'ai bloqué un truc, s'il te plaît, pas de faire foutre. Bon, que faire? Je suis sûr, il faut que je présente un truc. Urne. Ça on s'en fout. Non. Alors je vais tout faire sauf le Magatana.
Bon, est-ce que tu veux de la caméra et puis c'est tout donc? Non, il n'y a rien à faire. Bon, bah on se déplace, on retourne au centre. Non, c'est toi qui me fais tout ramer, espèce de connard. Je teste des trucs. Hein. Ah bah ça rame plus, dis donc. Ouais, oui. Alors, rien débloqué? Non, bah je vais retourner voir machine. Truc, désier. Ah non, faute. Ah, faut chute de la crédibilité. Eh ben voilà, il suffisait simplement de donner la bonne réponse. Pas méchant. Bah non, tu m'aides pas. Te le dis. C'est quoi? D'accord. Allons-y. Et normalement, ça devrait être la fin de cette partie, j'espère. Parce que déjà une bonne heure. Représenter la lettre. Même la narration sous de sa gueule. Non. C'est non. 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 Non mais c'est mort, même moi j'ai pas envie. C'est intéressant d'un coup. Alors, si je refuse de la faire, que va-t-il se passer si j'accepte de la faire? Bon, si je refuse.
Ah, alors attention. Voilà. Alors, vous voyez, la discussion alternative qui fait 15 secondes de gameplay en plus, c'est la recette Capcom pour un bon Phoenix Wright. Tu m'étonnes. Voilà, elle s'est barrée. Bon. Va falloir qu'on parle sérieusement. Reviens, sac à merde. Bon, bah, se déplaçons-nous. On va retourner à la planque pour dire voilà, j'ai représenté ton mari de mes fesses. C'est ok. Je dois te présenter un truc. Et ouais. Qu'est-ce que je peux te demander? Non, ça je t'ai déjà demandé. Oui, non, ça je t'ai déjà demandé. C'était même un list trigger. Donc là, ça ne sert plus à rien. Donc on va se déplacer. Un agent de détective. Du détective de détective. Qui n'est toujours pas là. Mais c'est génial, dis donc. C'est trop bien. Ah, bah c'était Louloul. Comme quoi. Ah bah dis donc. Ça alors, le trigger. Ça va être pire. Bon, on va discuter. Donne-moi du LM psychique, s'il te plaît, j'ai envie. Je veux me battre. Je veux mettre du Yu-Gi-Oh! Je l'avoue. Et la sécurité. Piète collection. Oh, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Non, cet homme ne convient pas. Oh merde. Bon. Attends, avant de nous déplacer, présentons-lui des trucs. Présentons-lui des choses. Ah, mais calme-toi! Attends.
va essayer quand même l'épreuve. Il faut essayer. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Le pif, il faut piffer. Le pif, ça marche toujours. Bon, là c'est pas ça déjà, donc on va se déplacer. En espérant que l'entrepôt me révèle un truc. Même pas. Bon. Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que l'agence va enfin se... Okay. J'ai pas envie de bloquer. Je veux pas bloquer maintenant. Je veux pas. Bon. C'est là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais présenter? Moi je t'avoue que ça sert à rien. Non, je vois pas là pour le coup. Fallait le deviner. C'est cool. Ah bah oui, retrouver perle, c'est vrai. C'est bien. T'es qu'un méchant. Voilà, c'est la réaction que j'ai très vite. Je les ai nettoyés, c'était super important. Voilà. Moment, de quoi tu parles? Ah bah oui, c'est enseigné au sujet de Perle. Et je fais la connaissance de Perle. Il y a un an, à l'époque du meurtre commis au village Curin, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés. À ce moment-là, j'ai pris cette phrase comme si j'étais gay, droit dans le cocolo. Ça m'a fait mal. Quoi? Si c'est une tradition, c'est mort aussi. Ah oui, c'est vrai, elle est en prison. C'est vrai, la mère de Perse, Morgan Fay, elle purge actuellement une peine de prison en isolement, à boire du thé sans fin. Sérieux? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je n'ai jamais croisé un seul homme. Je suis sûr de... Les voix spirituelles sont très très nananana. Ce blablabla. Évidemment. Ah ouais? Étrange que tout seul, j'ai envie de te dire.
parce que le mariage c'est beau. C'est terrible. N'abandonnez jamais vos enfants. Ou alors portez une capote. C'est super important. D'accord. Ça explique pas mal de choses. Notamment des choses inutiles. J'aurais pu te dire qu'elle est morte. En fait, dans le film, elle est morte. La mère de Maya. Misty Faye. La maîtresse en titre de la technique de channeling Curin. J'en ai vraiment marre de te répéter cette phrase. Elle a disparu il y a 17 ans, après avoir été impliquée dans une affaire judiciaire. C'est pour cela que je vous conseille d'aller voir le film Gekuten Saiban, disponible uniquement en VO sous-titré, réalisé par Takashi Miike, que je trouve plutôt bon. Même si c'est ultra fanservice. C'est pas ce qu'on fait depuis au moins une heure et demie là. Y a plus de produit. Ah, mais tu es une fillette. Tu es une fillette, il faut le savoir. Comment as-tu osé douter de moi, s'il te plaît? Et j'ai un CV qui fait au moins ta taille. S'il te plaît. C'est bien. Merde. Elle court, elle a des petites jambes, c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais? Bon. Est-ce que l'agence de détective se débloque? Oui, pas trop tôt. Oh, enfin. Allez. Ah oui, une excellente. Mon dieu, qu'est-ce qu'il a encore deviné avec sa loupe? T'es con, mec. Non, tu te répètes. Ah, alors c'est une bonne question. Très bonne question, on va parler. C'est super important de parler. C'est con. L'arme démoniaque. Waouh. Très très belle image. Oui, évidemment. Ouh, c'était méchant de dire ça. Moi non plus. Je crois qu'il s'en contrefout royalement même. Thank you.
Et ouais. Ah, elle marque un point. Ah ah. Ouais. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses même. Non, attends. On se calme. Allez, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'après le verrou psyché, c'est la fin de cette partie. Et que c'est l'heure du duel. It's time to Détective, moi ça. Vous étiez de garde sur le lieu du délit. Vous avez forcément vu Maskelmas commettre son larcin. Et je n'ai même pas comment vous pouvez en être ici. C'est vrai, je surveillais votre peau. C'est indéniable. Je vous assure que personne n'est passé vers cette porte. J'ignore pourquoi. Mais ce moissin ment comme il respire. Et ça se sent. Je sais. Je vais lui en fournir la preuve. Détective-moi ça. J'ai ici la preuve que quelqu'un a franchi cette porte la nuit dernière. Il y avait une caméra de surveillance sur le lieu du crime. Elle devait avoir pris en photo quiconque ayant franchi cette porte. Évidemment. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai déjà récupéré les données de la caméra. Comme vous pouvez le voir, la caméra s'est déclenchée une seule fois la nuit dernière. Et que... Mais mon monocle n'a rien vu. Ça doit être une erreur informatique. Oui, c'est ça ou ça. Peut-être que votre monocle vous a brouillé la vue. Comment? Vous insinuez que j'ai manqué à mon devoir. Détective Moussa, vous avez forcément vu le voleur du soir. La question est de savoir pour quelle raison vous tentez de le cacher. Il doit y avoir une raison pour qu'il veuille le cacher. Une raison qu'il veuille désespérément garder secret. J'ai la pièce de correction parfaite pour prouver. Ok, supposons que vous n'avez pas réussi à voir Maskelmas. Dans ce cas, vous l'avez manqué parce que vous étiez... évanoui. Ayez bien peur que vos suppositions ne soient pas suffisantes. Et vos affirmations doivent être corroborées. Montrez-moi vos preuves. Détective, moi ça. Le voleur vous a assommé, n'est-ce pas? Vous plaisantez, bien sûr. Vous croyez que le grand Mac Moessa se fera assommer comme ça? Ce sabre le prouve. Hein? C'est... c'est... Avant le vol, ce sabre était dans la main de la statue d'Amifei. Sans compter qu'à ce moment-là, il n'était pas attendu. Il n'y a qu'une seule explication possible. On vous a assommé avec ce sabre et vous vous êtes évanoui. Eh bien, détective, qu'en dites-vous? Eh bien, mais pas assez. Vous êtes digne d'un titre d'as des avocats. Voilà, voilà. Alors, ce doublage dégueulasse vous a été présenté par voixdemerde.com. Thank you.
Non, déjà c'est faux. Et ouais, premièrement. Donc déjà, ça peut remettre pas mal de choses en question. Une preuve? Ici, on n'est pas dans un tribunal, mais quand même, les preuves comptent. Une autre? Oh. Ah mon Dieu! Il est minuit 58. Ok. Ah bon? Ah bon? Quelles sont ces raisons, s'il te plaît? Ok. Une enveloppe verte. Mon cul sur la commode. Bon. Puisque monsieur me donne des preuves gratos, allons voir. Alors, une enveloppe verte. Dégage. Une enveloppe verte. Une enveloppe verte, ça c'est un livre vert. Mais cherchons l'enveloppe verte. Est-ce que ce serait ce truc? Ah ouais. Ouais. Alors, où est cette enveloppe verte? Ah bah, vous allez... Elle était là, je suis con. Oui. Oui, ah oui, c'était il y a 30 secondes. Eh bien, allons-y. Ah, 50 000 boules. Est-ce que la police fait son travail? On se demande. Je la prends, pas le choix. Mais non, mais qui est ce donc? Ok. Ah, du café. Alors, j'en ai pas entendu parler, mais je crois savoir qui c'est. Ah non. Ah non, je pense à quelqu'un d'autre. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Non, le dieu. Pas encore, mais ça peut s'arranger. On peut même le faire devant toi. Eh ouais, t'as vu? Mais t'es con, bordel! Paul Defès. Depuis l'école primaire, on est... Disons qu'on n'est pas que des amis proches, mais ouais, on se connaît. Je connais pas depuis toujours. Et ce qu'on disait à l'époque est toujours valable. Quand Paul Defès arrive, tout part à la dérive. Et t'es agent de police, bordel. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bon, on va parler.
peux arrêter avec ce pouce, s'il te plaît. 2 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas dans le 2. Ouais, mais tout ça à rire. Non, tu crois? Jennifer. Alors attends. Ouais, c'est ce que je pensais, je m'en fous. Ah ouais? C'est pas nouveau ça, mec. Bon, et pourquoi t'es là, en fait? Waouh. Tu as trouvé où ce portefeuille? C'était toi le garde de la nuit. Mais ce portefeuille est très intéressant. Réponds à la question. Parfait. Faut de prix que je vole cette carte dans le dans la discrétion la plus absolue. Donc Fall, dis-moi un petit peu. Cette carte. Non, cette carte. Oh, s'il te plaît, merci. Comment ça marche? Ok, mais c'est super. Et donc ouais, mais justement. Je suis dans ce bras que j'en ai plein le cul de toi. Bon. Bah je crois que c'est bon, tu peux te casser. Non, ok, bah va te faire foutre. Je pensais que t'aurais pu m'aider. Ok, changement de plan. On va aller au centre de détention. Est-ce que l'autre con est revenu? Moi je teste des trucs, hein. C'est des strings en carton et j'ai le téléphone qui sonne de petites secondes. Putain, il y a ma souris, bordel de merde.
Voilà, c'était l'interruption téléphone, c'était génial. Donc, qu'est-ce que je faisais? Oui, j'essaye des trucs. J'essaye des choses, j'essaye de comprendre, voilà. Putain, ça aide pas. Peut-être dans le dossier. Je peux vérifier. Non. D'accord. My. Ouvre la porte du PDG de KB. Mais moi, je voudrais aller voir, bordel. Ah oui, on s'en souvient. Non. Même ça, donc, il s'en fout. Bah ouais, bah évidemment, je te crois, mec. Alors attendez, peut-être que la dernière phrase, j'ai loupé un truc. Ok, donc sortir mon éthique et elle va ressortir entre eux, elle va me sortir sa phrase. Plus de pouvoir, plus de pouvoir, plus de pouvoir, plus de pouvoir. Réfléchis, bordel. Ah bah voilà. Alors putain, je suis trop fort. J'ai piffé, mais ça marche. Le pif. Quel sac à merde. Non, tu crois? Parce que je cherche depuis 5 minutes, mec. Mais 5 minutes! C'est long, les minutes! Alors... Waouh! Alors, qu'est-ce que tu fais là? Bonne question. Thank you.
Ah non, je laisse pas. Non, tu es sur le portable. Sérieux, c'est bien. Son bureau. À l'autre côté. Ah, machin. Attends, avec un type pareil. Qui s'y a? Mec! C'est une gamine. Tu me déçois pas. T'as changé. T'as trop changé. Bon. Alors ce sac n'était pas sur cette table. Déjà. Mais oui, il pleure un bon coup. Petite conne. Oui, il y a un sac sur la table. Combien on parie que dans ce sac se trouve de l'argent? Allez, vas-y. Est-ce que réponse A, il contient un objet? Réponse B, des vêtements? Réponse C, de l'argent? Réponse D, et la réponse D. Si. C'est super important, toujours. C'est dur et lisse. Je touche la texture de ton sac, il est super. C'est Maya, c'est sa faute. Oh, c'est bon. Waouh, elle est vraiment géniale. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a dans ton sac. Et moi j'ai pas voulu, hein, j'ai pas voulu le... Comment ça? Oh. Mais oui, mais oui, mais oui. Mec, je t'ai dit que mon CV était déjà rempli de choses incroyables. Donc respecte-moi. Ah bon, qui donc? Ah, Godot. Alors Godot, j'en ai entendu parler très vite dans sur divers forums. Et ce mec est trop classe. Ah putain, ça re-rame. Ah, je l'ai vu. J'ai vu la frame. Ça va ramer. Donc Godot. Faudrait qu'on vérifie comment ils ont trouvé un nom pareil. Oui, c'est vrai. Alors bonne karma peut-être. Ah bah non, elle a pris sa retraite. Je l'ai jamais vu.
Tu sais qu'il boit du café par contre. Et ça c'est cool. Ah oui, c'est pas trop tôt. Oh yeah. Un nouveau procureur, un as des détectives et un voleur. Voilà un procès qui promet. Oh, c'est fini. Oh, c'était long. Ah putain, ça rame. Ça rame du fion, c'est horrible. Oh, c'était long. Ah, là je crois que je viens de faire ma semaine. Ah, oh, vache. Bon, alors, ce début d'épisode, eh ben, ça annonce plutôt pas mal. Ça annonce pas mal de choses. Après, j'attends de voir ce que le procès me réserve, de voir ce que c'est Godot. Putain, mais Godot, merde. Putain, aucun respect, les mecs. J'attends de voir. Moi, j'attends de voir. Je suis impatient. Bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cet épisode extrêmement long qui aura quand même duré plus d'une heure et demie. Mais bon. J'ai mon petit gameplay Yu-Gi-Oh! J'ai aimé ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, le même dialogue que d'habitude, hein, les pouces verts, les commentaires, les abonnements, les tout ça, les partages, bref, fais ta vie, fais ce que tu veux. Quant à moi, je vous souhaite, stylo de merde, je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à la prochaine.